Dissocier l'argent du temps, concept numéro 151, tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Dissocier l'argent du temps. Ça, c'est un concept si vous voulez gagner beaucoup d'argent. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il va falloir dissocier l'argent de votre temps, de votre emploi du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes employé, si vous êtes salarié, vous allez travailler un certain nombre d'heures. En France, en général, c'est 35 heures. Quelque chose autour de ça, et vous avez votre salaire qui équivaut au nombre d'heures que vous avez faites. Donc vous êtes totalement lié au temps. L'argent que vous avez dans votre vie vient du temps que vous avez donné à votre patron, quoi, votre entreprise dans laquelle vous travaillez. Maintenant, les riches, ils ont une autre façon de penser. Dissocier l'argent du temps, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place des revenus qui ne sont pas dépendants de l'activité que vous faites. Et oui, c'est-à-dire que, je veux dire quelque chose de simple, c'est les revenus résiduels. Les revenus résiduels, c'est quoi? C'est une action que vous faites une seule fois, et qui vous rapporte à vie. C'est une action que vous allez faire peut-être pendant une semaine, peut-être pendant un mois, peut-être même pendant un an. Mais après, vous vous arrêtez et ça vous amène des revenus toute la vie. Un exemple, l'immobilier. Bon, l'immobilier, il faut avoir un peu d'argent pour investir. C'est encore autre chose. Mais disons que l'immobilier, vous avez de l'argent, vous achetez une maison, un appartement ou un immeuble avec plusieurs appartements. Vous faites les choses une fois. Vous mettez en place des locataires et vous avez un revenu à vie avec des locataires dedans qui payent le loyer. Ça, c'est un exemple. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas investir, eh bien, vous allez pouvoir créer quelque chose, créer un contenu, créer, par exemple, créer un livre, écrire un livre. J'ai écrit des livres. Je mets en général un an pour écrire un livre. Alors, ok, on ne touche pas d'argent directement. Et ça, c'est pas facile au début. Quand vous commencez à avoir ça, vous avez 0 centime pendant que vous faites cette action. Mais une fois que j'ai écrit mon livre, en un an, je sais que ça va me rapporter à vie. Parce que le livre est disponible à vie sur Fnac, sur Amazon, sur Cultura, Leclerc, etc. Donc, il y a ça. Il y a des produits aussi d'information. Donc, les formations, par exemple, les formations en ligne. Vous savez peindre. Vous faites des tableaux, et bien vous créez une formation vidéo, vous travaillez dessus pendant un mois, deux mois, vous filmez en train de peindre et d'enseigner les techniques, et ensuite vous mettez ça en place sur internet en téléchargement payant. Le téléchargement, il sera à vie, les amis. Ça sera à vie, ça va vous rapporter à vie. Il faut commencer à mettre ça en place, vous devez commencer à mettre ça en place si vous voulez sortir de la matrice financière, sinon vous serez toujours piégé à être un employé. Alors maintenant, si vous avez un boulot, gardez-le et à côté, commencez à mettre en place ce genre de revenus. C'est très important, sinon vous serez toujours coincé avec le temps. Donc, dissocier l'argent du temps. Je vous invite à entrer dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite. Bien sûr, en cliquant sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo, à voir les basiques et les rouges. Et puis à lire mon livre 200 concepts pour mieux réussir, dans lesquels j'approfondis encore plus tous ces concepts.